Selon plateforme Plus Vérité, côté monsieur Jean Reno, souvent fait en pile émission sous analyse politique pays d'Haïti et géopolitique. L'État fait connaître que selon service intelligence dominicain, unité BESAP qui trouvé dans Nord-Est là, ta va commettre un gros erreur par rapport à un zam qui au gain dans main yo. Côté service intelligence dominicain fait connaître que oui, yo gagné preuve à 100% que c'est un agent BESAP qui tire soldat dernièrement tant de te tirer dans poste travail les sous frontière au niveau de Wanamet Dahabong pour que agent BESAP là t'est capable prendre zam ni et zam ça qui n'a gardé dans écran c'est ta zam qui identifié comme zam qui n'a main unité BESAP là dans Nord-Est qui appartient à l'armée dominicaine. Samedi là haut c'est pas dans parole pas moins dit moins li commenter en bas vidéo plus vérité a m'te dit faut que me partager là avec nous sur plateforme Leona Showa pour nous bailler opinion nous pour nous dire qui ça nous penser. Est-ce que c'est une façon pour l'armée dominicaine capable dénigrer ça par rapport à dossier canal là, à dossier rivière massacre là? Est-ce que son faux accusation ou bien est-ce que son bagaille qui vraiment paraît logique que yon agent BESAP t'es capable tirer un soldat dominicain juste pour qu'il est capable prendre zamné. M'a permettre nous tendre monsieur Reno à travers plateforme ni plus vérité qui te bail détail sous accusation que l'armée dominicaine mettait sous dos unité BESAP là dans Nord-Est. Communauté éducative là, communauté plus vérité là, comment nous y est? Ça fait 2 semaines de cela. Il y a une information qui t'a circulé sur les réseaux sociaux qui t'a dit que il y a un haïtien, l'armée dominicaine t'a tué sous territoire haïtien dans la zone canal là et l'armée dominicaine t'est entré sous territoire haïtien. Yo t'est venu prendre corps haïtien ça, yo allé ensemble avec lui. Nous pas gens comme pas gain l'état en Haïti, pas gain autorité, nous pas jamais entendu parler des dossiers ça encore. Mais pour nous maintenant plus vérité dossier a trop fermé. Nous t'ai amené une investigation en profondeur pour nous comprendre ça bagaille là hier. Et bien bagaille ça li mené nous sur un dossier qui très sensible et un dossier qui beaucoup plus complexe. Sous dossier ça, n'a dit bien avant de commencer, gagner information nous pral ba ou là, c'est information nous vérifier nous gain preuve de yo. Et gain pile l'autre information nous gagner nous pou ka partager ensemble avec vous parce que c'est un dossier qui long et qui pou fini. Qui ça bagaille là? Ça fait 2 semaines de cela, gagner yon haïtien qui relé Filionel. Haïtien ça de Filionel l'âge li était entre 40 à 50 ans même qui commencé entrer dans 40 à 50 ans environ. Un beau jour matin ou son 5h du matin pendant yo a essayé entrer en République dominicaine, il était qu'on a acheté glace. Et bien pratique là c'est que yo rivé yo entendre yo ensemble avec et militaire dominicain qui sous frontière là, yo balon petit cob et puis yo passé. Il a acheté glace ce domaine, mais il a toujours rêvé entrer bonheur. Il n'a pas attendu la barrière ouverte. Il a passé par en bas, zone canal là, pour qu'il puisse entrer, pour qu'il acheter glace, pour qu'il sorte belle bonheur, pour qu'il vendre. Eh bien, jour matin, ça a été mal passé pour Filionel. Eh bien, il n'a pas connu. Et d'après témoins qui étaient présents, nous parlions ensemble avec eux. Nous avons vu nos images. Nous parlions ensemble avec eux. Eh bien, il a fait nous comprendre que nous déjeunions en tente ensemble avec les militaires là pour te quitter au passé. Mais après ça, bah là, yo par contre qui s'est passé, soit militaire là les gens viennent ouais, les sous pression ou bien de gars sous effet, par contre et les commencer tirer et malheureusement pour Filionel, il prend une balle même côté à mourir. Après le fin mourir, monsieur continue de tirer jusqu'à ce qu'il jambé sous territoire haïtien. Mais d'après côté, yo dit Filionel mourir, effectivement il mourir dans Dominica. Mais il pas mourir sous territoire haïtien parce que sous bon côté de Mouria d'après investigation par nous
Koutel Mouria, c'était sous territoire dominicain, mais c'était derrière Domiola. On connaît toujours une discussion entre Haïtiens avec Dominicains sur derrière Domiola, sur la route qui passait derrière Domiola. Mais les mêmes fouilles zones dans Kalalo pour nous connaître dans quelles conditions, parce que ce n'est pas une pratique. Honneur à la vérité, l'armée dominicaine n'est capable de dire ça, nous voulons, mais ils ont toujours montré dans ce sens ça, dans retirer la vie humaine, ils sont toujours très prudents. Mais si vous ne pas tirer n'importe qui, vous ne pas avoir l'habitude de tirer Haïtiens sur frontière comme ça. Nous même allons chercher les zones dans Kalalo pour nous essayer de comprendre qui ça va gagner. Eh bien, qui ça va gagner là? Il mène nous sur l'autre territoire, de l'autre dossier qui est beaucoup plus complexe encore. C'est qui ça lié. Dossier, c'est que ça a gagné sur affaire nouvelle, il y a un mois de cela. La presse en Haïti, il n'y a pas parlé en pile de lui. Gagné, il y a un soldat dominicain qui était mort dans la frontière, puis où a un côté où il est capoté. Eh bien, sur la frontière capoté, il y a un soldat dominicain qui était mort. Et d'après toute investigation, d'après recherche que nous fait, yo informé nous que pour l'armée dominicaine, yo gagné yon cible, yo gagné information sur qui est effectivement qui tétouyé militaire dominicain ça et pour qui ça. D'après information République dominicaine, moun yo gagné qui tétouyé militaire ça dans frontière bon zone Capotillo ensemble avec la Haïti, eh bien c'était yon haïtien. Mais d'après eux-mêmes, c'est là n'importe qui haïtien. Haïtien, groupe haïtien yo ciblé qui te fait causer action ça, yo ciblé monsieur Bessap yo. Et moi va expliquer pour qui raison yo dit c'est Bessap qui te commet action c'est là. Yo dit c'est Bessap qui te commet action c'est là parce que zam qui te dans main militaire là. Yo même d'après donné service intelligence République dominicaine gagné dans main. Zam qui était dans main militaire là, zam ça c'est lui même mais dans main là, m'a montré le sur écran. Mais là sur écran, regardez bien. Et bien zam qui était dans main qui dans main regardez là sur écran dans main Bessap en Haïti, d'après l'armée République dominicaine, d'après service intelligence, zam ça c'est lui même qui était dans main soldat qui était mort là. Et monsieur, même aller plus loin. Monsieur, il y a un service d'intelligence, un service d'espionnage omité en dedans même corps Bessap sur ligne frontalière. Monsieur, tout côté monsieur viré ensemble avec Zamza, gagné informateur qui a informé qui côté Zamnaye et nan men qui est mon nan Zamnaye. Et bagay ça a li bay en pile panique. Bon côté l'armée dominicaine. Et yo mette tout service à la disposition. Moun ki a fréquenté zone frontière yo n'a senti semaine ça gagner plus restriction, bagay la pi difficile pour fréquenter frontière. Et en termes de recommandations et c'est objectif émission plus vérité ça, pour nous venir dire haïtien qui habite fréquenté zone frontalière depuis sorti Pedernal jusqu'à arriver Manzanillo, faut que yo prend en pile précaution, éviter contact direct ensemble avec militaires dominicains, parce que dans le moment là, monsieur recevoir instruction, c'est sensible à la gâchette. Eh bien, c'est suite à événement ça qui était passé là. Dans la zone frontière capotée, il y a un haïtien qui, d'après eux-mêmes, d'après service intelligence dominicaine, il dit c'est un agent Bessap qui était tiré pour militaire dominicain pour le capable prendre Zamnan parce que yo retracé Zamnan, yo retracé que Zamza est déjà dans moment on a parlé là dans main Bessap dans zone frontalière dans sous zone frontière et yo même gen photo et Zamnan monsieur était même retracé même dans tellement monsieur Bessap yo allé ensemble avec Zamnan yo gen yon moun k'ap bay au contrôle. Et bien ça li vin mete l'armée dominicaine en alerte. Et c'est suite à événement ça qui vient faire que en représailles à soldat ça qui était mort puis en plus devant et bien militaire dominicain ça il était tiré filionnel dans condition de tirer là et sans aucune justification et là au fin tirer c'était en revanche à militaire dominicain qui était mort. Sous dossier ça jusqu'à présent c'est la noyé. Mais ça nous capable dit frère haïtien noyo gain deux coups de recommandation nous voulons faire.
Première recommandation nous voulons faire, nous voulons dire messieurs les sapeurs, faut que vous preniez en pile précaution. Machiavel dit un proverbe qui dit la vengeance est un plat qu'on mange froid. Songez ça. La vengeance est un plat qu'on mange froid. Mais c'est les sapeurs après travail ont été faire sur dossier canal là. Dossier canal là qui c'est un coup dur, qui c'est un des plus gros calotes de République Dominicaine. Prend dans 40 dernières années dans mes pays d'Haïti. Ils ont mis le président de la République Dominicaine à genoux. Haïti campé debout. Faut que moi dis nous sous dossier ça. Haïti campé debout sous dossier ça. Mon cher bagay ça faut que moi dis République Dominicaine pas pardonné. Si nous pensons dossier canal là fini, si nous pensons République Dominicaine fini ensemble avec dossier canal là, ensemble avec Haïti nous trompons. Son dossier qui prend en pile temps encore. Et nous avons une garantie. Quelle que soit l'opportunité, République Dominicaine joint pour taper, quel que soit le monde qui a participé activement, direct ou indirectement dans le dossier canal, ça ne va pas pardonner. Ça veut dire, mais c'est bien ça, on a demandé pour prendre pile précaution. Si effectivement, vous avez gagné dans le rang, les âmes qui étaient impliquées, les âmes ça, ils étaient impliqués soit direct ou indirectement parce que Bessa, là, l'État haïtien par exemple assume responsabilité pour armer. C'est chaque monde qui vient ensemble avec Green Zamio, et bien m'a demandé autorité, dirigeant Bessa, il faut prendre pile précaution pour assurer que les gens des actions ça, les âmes ça, n'est pas dans main parce que effectivement, il est capable de mettre Bessa dans une situation difficile si il a prouvé effectivement que les âmes ça. C'est dans même ICB Sapio qui a fini. Parce que si on a tué un soldat dominicain, il a volé, il a pu prendre ZAM. Et bien, si on a retrouvé effectivement que ZAM, c'est dans même ICB Sapio, tant que les gens eux-mêmes, les photos, ils ont dit c'est ZAM, ça même. Ils ont dit c'est ZAM, ça même. Et ils ont expliqué. Ils ont expliqué pour qui raison. Ils ont expliqué, non, ils ont plus d'informations pour qui raison, ils ont dit c'est ZAM, ça même. Il y a des différences, il y a des signalisations sur lui, il y a des méthodes pour être capable d'identifier. Si effectivement, ça vous dit que c'est ça, eh bien, bah, nous garantit la créer un problème difficile pour l'autorité de ça. Et l'autre encore, l'autre recommandation que nous avons fait, c'est pour les Haïtiens qui fréquentent les zones frontières. Je dis que la situation frontière, c'est un calme apparent. Frontière sous pression, la République Dominicaine sous pression. Haïti pas un dirigeant, pas un dialogue, m'a prendre nous en pile prudence. En pile prudence parce que monsieur soldat dominicain yo dans moment yo vinn très sensible, c'est sensible à la gâchette et parce que yo connaît yo gagne un boulevard devant yo. Quel que soit mauvais comportement yo gagne dans moment, yo gagne net. Quel que soit monde qui perdit Kachapiko ou qui était un soldat dominicain, fusion sous frontière dans moment ou mourir net, pas une personne qui est capable de faire rien pour vous. Pas une autorité en Haïti, pas une autorité diplomatique qui là, c'est sous papier où il y a aucune force réelle où il est capable d'agir. Et monsieur, même aller plus loin, instruction formelle là, c'est quel que soit haïtien, il fige sur les frontières, pas quitter quoi, c'est pour encore immédiatement pour disparaître, pour pas gagner aucune évidence avant réseau social commencer à entrer, parce que c'est plus gros âme haïtien qui est dans mes avant caméra ou paraît, avant réseau social commencer à paraître pour avoir fait un tour pour sale image de la République Dominicaine au niveau international, et bien c'est prendre quoi ramasser, disparaître, même côté. Ça, c'est la réalité du dossier. Mais même si nous avons ce dossier, nous avons pile d'autres informations encore qui nous avons cherché nos projets, nous avons cherché nos pour preuve de nous-mêmes. Information vous venez joindre nous, mais tout le temps nous avons une preuve nous-mêmes dans l'émission Plus Vérité, nous allons partager ensemble avec nous parce que nous voulons faire une plateforme responsable. Depuis, c'est là, dans Plus Vérité, nous avons information, nous avons garantie, preuve là, en bas bois, parce que nous avons qui est, qui joue, qui date, qui monde qui est capable d'intéresser pour traîner nous, pour côté pour le mener nous, pour demander nous preuve de ça. Et bien nous-mêmes, quel que soit sort et nous dit dans Plus Vérité, nous assurons preuve là, en bas bois. C'est information ça nous devons partager ensemble avec vous. C'est recommandation ça nous devons faire communauté haïtienne surtout si là vous avez fréquenté zone frontière pour prendre un peu de prudence. Et autorité de Sapio encore une fois d'apprendre beaucoup plus prudence. Songez bien République Dominicaine pas pardonner nos travail nous avons fait sur canal là. Bataille ça il était un clou dans soulier diplomatie dominicaine et quel que soit l'air d'avoir on peut opportunité pour taper Bessap. Je vous garantis qu'il a fait avec un pile plaisir. Quel que soit l'air où tu as joint, opportunité pour taper, quel que soit dirigeant
quel que soit le monde qui connaît direct ou indirectement, qui était impliqué dans le dossier canal, là, bon, garanti, il a frappé l'ensemble avec plaisir. Les amis, aidez-moi à partager, aidez-moi à inviter vos amis, vos familles, venez rejoindre la plateforme plus sécurité, la plateforme éducative. Là. C'est ça qu'on a fait, c'est recherche qu'on a fait. Quand pile bagaille qui vient pour venir durant ce moment-là, plus sécurité était dans la rue, nous avons pile documentaire, conseil d'information qui a passé dans le pays d'Haïti. Enfin, c'est là où on va le finir par bien comprendre. Aidez-nous à faire le travail là, aidez-nous à partager, à nous grandir ensemble, communauté éducative. Là. Mille merci, à la prochaine pour votre émission plus sécurité.